bonne question, parce que quand je chauffe Xavier, pareil, Xavier Nesk et Redroff, l'influence des agents. Alors, premièrement, les agents, Brétio, Lama Brétio, c'est les agents des joueurs. Donc, quand on se met en contact avec certains joueurs binationaux, là, des joueurs, souvent, c'est d'abord le manager Diallo, mais il t'assemble là. Ça, c'est des obligations qu'un autre menu ou qu'un maïe fataf l'alem qui est tous échis. Nikadoué Tadar, ma Cristiano Ronaldo, c'est Tadar, ma Georges Mendes, mais il t'assemble Ronaldo. Ça, c'est la règle. Maintenant, l'influence des agents Nisba Lili, ma Cristiano Hadar, là, Dokbel ou la Ligène Moraya, il n'y a aucune influence puisque c'est moi qui fais la liste. Je regarde ce qui me plaît chez les joueurs. Quand il y a un joueur qui m'intéresse, eh ben forcément, je m'intéresse au joueur et je prends contact. Mais si la question sous-jacente est « Nachi, wesh un agent est d'aller jouer à l'Ab Diallo ?» Alors, Imam Katafonich, Imam Katafonich, il est chef de mais il n'y a pas un agent qui va ramener un joueur à l'équipe nationale parce que quand il a faute, parce qu'il a chef de ou là parce que... Par contre, wesh un arabe des agents, forcément, l'Ab de quoi. J'étais entraîneur, j'étais joueur. Il y a des joueurs qui sont devenus agents. Il y a des agents. Je comprends très bien quand j'étais joueur. Donc forcément, on a une relation. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. Et c'est aussi simple que ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être dans la question « Wesh, Hada, Jab l'Ab ». Je pense que sur la liste qu'il y a, je pense que en regardant bien, Hakimi, manager espagnoli, Amloud, Manafouch, un manager, Naif, un manager maghribi, français, Seis, un manager comme l'Ab, Akhtar, un manager comme Arfou, Abdelhamid, un manager comme Arfou, Mazraoui, et peut-être il y a sur les 25, peut-être il y a 20 agents différents. Allez, peut-être je me trompe. Peut-être 18 agents. Non, voilà. Mais quel choix il y a un de rachat de l'Arabaf. Comme ça, c'est clair et net. Très bien. Avant de sortir, ne vous oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Partagez la vidéo, dites-le. Et suivez-le sur les réseaux sociaux.